Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai tout simplement essayé de régler un problème avec vous. Donc j'ai déjà réglé moi, mais je vais essayer de le régler pour vous. Voilà, donc je vais vous montrer comment, enfin je vais vous dire comment j'ai fait. J'ai pas fait exprès, mais voilà, c'est peut-être que ça fonctionnera pour vous, on sait jamais. Donc c'est pour ce genre de jeu au niveau de là, vous voyez là c'est bien large. Mais avant moi c'était pas comme ça, c'était comme ça. Voilà, donc vous avez vu avant c'était vraiment moins large, j'ai envie de vous dire que bah c'était un peu embêtant, voilà, c'était embêtant parce que bon, c'était pas cool, hein, voilà. Et donc du coup, j'ai réussi à régler le problème, j'ai même pas fait exprès d'ailleurs. Donc on va quitter BlueStack pour tout simplement vous montrer un autre logiciel. Voilà, un autre logiciel qui m'a justement permis, donc c'est grâce à ce petit logiciel que j'ai réussi à faire du coup. Attendez, on va aller voir, donc il est juste là, donc c'est MMU. C'est MMU, voilà, donc c'est pour ceux qui sont émus. quel jeu de mots de merde. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste là. Voilà, donc MMU, voilà, donc hop, on démarre MMU, voilà. Et pas MME, hein, voilà, deuxième jeu de mots de merde. Voilà, voilà, donc du coup, ça donne quoi? Ouais, donc du coup, c'est en installant ce MMU que du coup, en fait, ça a réinitialisé les données par défaut, je sais pas quoi, enfin je sais pas comment on peut dire ça comme ça, les caractéristiques par démo, voilà, par défaut je veux dire. Et donc du coup bah ça m'a remis, donc en fait là sur le MMU déjà, j'avais Clash Royale qui était bien mis, donc à large écran comme ça, voilà, donc ce qui était plutôt pas mal, donc ça faisait plaisir, donc hop, large écran comme ça. Et donc du coup bah déjà je me suis dit bon bah c'est pas grave, sur BlueStack ça fait pas un large écran, je ferai des vidéos sur MMU et puis voilà, c'est comme ça, voilà, hein, je vais à celui qui est le plus offrant. Mais le truc c'est qu'après je suis revenu quand même sur BlueStack pour voir quand même un petit peu, voilà. Et le truc c'est que c'était revenu normal, tu vois, c'était redevenu normal. Donc du coup je pense que le mieux, donc je vais mettre le lien dans la description où vous pouvez télécharger MMU. Voilà, donc hop, on va fermer ça. Et donc du coup, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, je vous mettrai le site. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas aussi vous montrer le site, pourquoi pas. Voilà, mais pourquoi pas, voilà. Donc je vous montre le site, voilà, c'est celui-là. Voilà, hop là, c'est pas compliqué, c'est écrit download. Voilà, tu vas sur emuplay.com et tu mets download. Voilà, tout simplement. C'est pas très compliqué, ça s'installe assez facilement comme tous les autres logiciels, comme tous les autres logiciels. Et puis voilà. Donc, alors le truc, c'est que du coup moi, je pense que j'ai rien d'autre à dire, voilà, donc moi ça a réglé mon problème, ça m'a remis Clash Royale normalement, enfin même les jeux comme ça, en vertical, ça me les a remis normalement, et donc du coup, ça fait plaisir, voilà, donc je me suis dit pourquoi pas partager, donc c'est un coup de chance, hein, c'est un coup de chance on va dire, c'est voilà, j'ai pas fait exprès, je sais pas comment régler la base de la base, tu vois, parce que ça doit être dans les données de, je sais pas, du logiciel, ou j'en sais rien, données du même carrément, de peut-être de l'Android, voilà, de l'ordinateur, enfin, parce que c'est à peu près dans le même délire, hein, MMU et BlueStack sont à peu près dans les mêmes longueurs d'onde, tu vois, ils utilisent un peu le même endroit, mais pas vraiment, enfin, je sais pas trop exactement comment ça fonctionne, disons que j'ai jamais vraiment appris des choses sur ce genre de logiciel, mais bon, malgré tout, j'ai une façon de régler le problème, certes, c'est pas forcément une façon très logique, mais malgré tout, moi ça a fonctionné, pourquoi pas vous, hein, j'ai envie de dire pourquoi pas vous. Donc si vous avez le même problème que moi, tant mieux pour vous, parce que vous pourrez peut-être le régler comme ça. Enfin tant mieux pour vous que vous êtes tombé sur cette vidéo, voilà. Parce que moi j'ai pas trouvé de vidéo là-dessus, hein. J'ai trouvé des vidéos comme quoi il fallait, enfin tu sais, les gens pour changer la taille de l'écran, tu vois, enfin de l'écran de BlueStack, tu vois, mais pas la taille justement des jeux à l'intérieur, ça par contre tu pouvais pas, il y avait personne qui dit rien parce que forcément c'est un peu compliqué, mais bon, malgré tout j'ai réussi. Bizarrement, mais j'ai réussi. Donc moi je pense que je vais essayer sur ce, en espérant que ça vous aura aidé, et si ça fonctionne pas, dans ce cas je peux rien pour vous, je vous l'assure, ça sert à rien d'essayer de me demander ouais mais bon moi ça fonctionne pas, nanana. Vraiment j'ai envie de vous dire je peux rien parce que j'y connais que dalle. j'ai cherché beaucoup dans le Regedit, mais j'ai pas trouvé. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai changé beaucoup de choses, mais j'ai pas trouvé, mais bon. Et voilà, donc du coup, moi, je vais essayer sur ce, je vais vous dire à une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool!
Pané, hey. Hey, à la télé. Hey, à la télé. T'es complètement malade. Mais c'est pas pour autant que je dois aimer tes galants. La la lila, la 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 lila. La la lila, la 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 lila.